البابور ذيق الجزائر البابور ذيق الجزائر يتشوري قديم انيس يتشوري قديم انيس هدي غاب النتا مزيان اتاويني مولاني اني غاسة طاسايا ولك نظري غاية سالو اسوي غامن ذا قدرير السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس؟ لاباس عمي. وين جبنا؟ لا حاجة مليحة؟ شفنا بني مزيانة أنا روحي. لا كيف حالك؟ عندك كتير. قهوة أنا وقت. أشكون تيرا خير؟ أعطينا قهوة ودخان. شحال عندك؟ ستة. وين هي؟ هنا قهوة. جبنا واحد ليك عندي هذا قريبك يا انا واحد اعطيني دخان يا اخو نبدل دربوكا اش بغيتني ندير مع هذا شو با تروك مو هذا ما بقى لي يا اخو ما عنديش زياده حاجه غاليه من الحج العنقه صحنا غلا بالصح سهر ici pour nous. Il y a de plus en plus de contrôles dans la communauté. Faut que tu fasses attention. Ah, je sais, je suis au courant. J'ai déjà perdu beaucoup de clients. Écoute, Younes. Esma. Avec les camarades du syndicat, on a décidé de s'organiser. Il y aura une réunion ce soir. Si tu veux te joindre à nous. Je t'ai déjà dit, Ali, ça m'intéresse pas. Je suis pas venu pour ça. Tu crois que ça ferait plaisir à ton père, Allah rahmo, de savoir d'où vient l'argent que tu leur envoies? Mais occupe-toi de tes affaires. Je sais très bien pourquoi je suis là. Je fais un maximum d'argent et je rentre. Cher frère, j'espère que ma lettre vous trouvera en bonne santé. Est-ce que vous avez reçu mon dernier mandat? J'espère que les travaux de la maison avancent bien. Ici, tout va bien. Mon cousin Ali va bien. Le travail à l'usine nous occupe beaucoup. Vous me manquez. Police,
Fouillez-moi les champs. Et ça, qu'est-ce que c'est? Emmenez-le. Dépêche-toi. Tu réponds quand l'inspecteur te pose une question. Maintenant, tu nous dis où se cache Ali. Je vous ai dit, j'en sais rien. J'ai rien à voir dans cette histoire. Moi. Tu mens. Je suis au courant de rien. Et les ravitaillements, c'est pour qui? Pour moi. Allez, emmène-le. Allez. Younes Ben Daoud. Suis-moi. T'es à Paris depuis combien de temps? 1939, monsieur. T'es pratiquant? Je comprends pas. Tu fréquentes la mosquée de Paris? Pour les fêtes, deux fois. Je te propose un marché. Tu nous rends service, et on te laisse continuer ton petit trafic. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas aller à la mosquée. Je veux savoir tout ce qui s'y passe. Tu vas surveiller les entrées et les sorties de toutes les personnes qui rendent visite au directeur. Je veux un rapport sur tous les visiteurs étrangers à la mosquée. C'est compris? Younes, ça va? Voilà le Coran dont je vous ai parlé. Ah. Il a été offert à la mosquée par le sultan en personne. C'est un livre infiniment précieux pour nous. Vous voyez, toutes les lettres sont recouvertes d'or. Très beau travail. Dites-moi, Excellence. Oui. Où en est notre affaire? J'ai constitué votre dossier. Il est maintenant au Palais Royal, à Rabat. Je crois que ça va être une question de semaine, enfin, voire de jour. Je ne sais comment vous remercier. Tu as un beau costume, dis donc. Ah ben oui, aujourd'hui, c'est une grande fête. Celle de la naissance du prophète. Ça, tout le monde a mis son beau costume. Comment dites-vous déjà? Mabrouk. Major, alors là, vous m'impressionnez. Oh là. Major, s'il vous plaît. Ah. Merci. هذه المنايا غلا
Mais c'est un jeune artiste algérien. Il n'est pas encore très célèbre, mais je pense qu'il va le devenir, oui. On dit que c'est une des plus belles voix du monde arabe. Bravo. Bravo. Bon, je dois prendre congé. Je vous en prie, je vous raccompagne. Salam. Tu veux quelque chose? J'ai une darbouka à vendre. Ça t'intéresse? Fais voir. Je l'ai pas là. Je peux te l'emmener demain. Demain, je serai en Andalousie, tu connais? Apporte-la, je te dirai. القلب في Tiens pour toi. Salam. Salam. Et moi. C'est des vrais rubis là. D'où elle vient? De ma famille. Elle appartenait à la Hadja Anka. Tu connais? Je t'en donne 800. Francs? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas assez? Ah, si. Tiens. Je chante ici demain soir. Bien, c'est moi qui t'invite. Regarde comment elle est belle. Ouais. On peut avoir beaucoup de choses comme ça. Ça dépend quoi. أنت سوى حتى آخر لحظة فإنها ليست خداعا بل هي تكرما الله يرحم لك الوالدين
الله يطولك العمر اخويا. Inspiré du style typiquement andalou, mais auparavant voici l'entrée d'une salle de prière qui sert quand la salle principale est archi-comble pendant les jours de fête. Maintenant, suivez-moi, nous allons voir ces beaux jardins andalous. C'était plein à cause de la fête du Mavid. Officiellement, on a fait une visite avec le directeur. Ils ont écouté de la musique, ils avaient l'air de bien s'entendre. C'est tout? Quand les Allemands sont partis, le directeur s'est éloigné avec l'imam, mais là, il avait pas l'air tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Est-ce que je l'ai vu sortir seul le soir? Seul? Et où est-il allé? Dans sa voiture, je sais pas où. Intéressant. Mais il faut que j'en sache plus. On a découvert de fausses attestations provenant de la mosquée. Je veux savoir à qui elles sont destinées. Dis-moi si tu as vu un de ces types autour de la mosquée. Non, je le connais pas, mais... Un peu, mais je crois que je l'ai déjà vu dans un cabaret. Un ami de Salim. En tout cas, je l'ai jamais vu autour de la mosquée. Qui est ce Salim? Salim, c'est un chanteur. Il a une bonne voix. Qui te fout de moi? Il s'appelle Salim Alali. C'est un Algérien que j'ai rencontré à la mosquée, qui chante dans ce cabaret d'Andalousia. À part ça, je sais pas grand-chose. Renseigne-toi sur lui. Je veux savoir ce qu'il manigance avec ce communiste. Tiens, voilà pour toi. Si tu m'apportes ces informations, tu auras beaucoup plus. Non. Younes, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de marchandises, je suis à sec. Je t'avais dit de pas venir ici. Retrouve-moi ce soir. Ah, ce soir, je peux pas. Bon. Je termine dans une heure. Tu m'attends dehors. D'accord. Dans une heure, hein? Ouais. Ay, 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 ay.
وعشق طفلة أندلسية صغيرة شبه خمورية يا محلى ذاك الزين على حواج البقروني خزرتهم تسحر في الحين خلي العاشق Salim. Salut, Jeannot. Ça va? Tu vas bien? Comment mets-toi? Alors, qu'est-ce que tu penses de la blonde là-bas? Quoi? Tu plaisantes? Allez, un petit verre. Hack. À ta santé. شوية عليك مشيت Bonsoir Salim. Ça va ma chérie? À tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu connais du monde ici? Disons que tout le monde me connaît. Tu sais Younes, quand j'ai débarqué à Marseille, j'avais à peine 14 ans. Je ne connaissais personne. Aucun cabaret ne voulait de moi. Maintenant, je vais en profiter. Quand la guerre sera finie, Inch'Allah, j'ouvrirai mon propre cabaret à Paris. Ousmane Ali Afoulez. Inch'Allah. Sahta, khouya. Ajri brouh, khouya. Ani sikran. Goutlak, bachi atay. C'est des conneries, allez, viens.
c'est? C'est l'arbitre. Ouvre. Regarde ce que j'ai reçu au cabaret. Les juifs ne peuvent plus tenir un nom artistique de représentation. Ça va, je sais. Écoute, Salim, je peux pas prendre le risque que la police ferme mon cabaret. Il va falloir que tu te méfies de tout le monde. Il y a pas mal de dénonciations en ce moment. Fous-moi la paix. J'en ai rien à foutre de ces conneries. Personne ne m'empêchera d'y chanter. Parle-moi du chanteur. Hier soir, j'ai passé la soirée avec lui dans le bar à Pigalle. Il vit dans le 11e. T'as pris des choses sur lui? Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Salam alaikum. Alaikum salam. Qu'est-ce que tu fais là? Je te vois souvent à la mosquée, mais jamais dans la salle de prière. Je sais que la prière nous permet de prendre du recul sur le monde tel que nous le vivons. Tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Je te parle, Salim. Une autre fois, je suis occupé. Je t'ai dit que je suis occupé. Je savais bien que tu allais venir me voir. J'étais au courant depuis le début. Faut dire que c'était pas très discret. Par contre, je savais pas qu'il s'intéressait à Salim. Il est au courant? J'ai essayé de lui parler, mais... Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bah, tu fais ce que tu veux, moi. Je veux pas le savoir. Tu devrais aller au hammam de la mosquée.
علي علي حسبتك 100 والله ابن عمي Qu'est-ce que tu fais là, la police te recherche Pardon. Tu m'as mis dans la merde, Ali. La police est venue à l'Étoile d'Or et m'ont interrogé, j'ai failli y passer. Qu'est-ce qui t'a pris Calme-toi, Younes. Je voulais pas te mêler à ça. Je me bats aux côtés d'un groupe de résistants. Et je me cache à la mosquée en attendant que ça se calme. Personne ne doit savoir que je suis là. Mais je suis fait. Pourquoi tu fais ça? C'est pas notre guerre. Je me bats pour la liberté. Aujourd'hui, ici en France. Et demain, chez nous, en Algérie. Et ensuite, l'Afrique du Nord, Inch'Allah. Voir Ben Gabarit. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils ont contre moi? T'inquiète pas, ils savent pas que t'es juif. Je suis désolé pour la dernière fois. J'étais pas tout seul. Ni fait, Matt. Yalla, je t'offre à boire. L'Arbi! Elle est où, l'Arbi? Wachbik. Je veux plus retourner les voir. Je porte un toast à l'amitié franco-arabe et je tiens à féliciter Son Excellence, Sikadour Ben Gabrit, notre ministre plénipotentiaire et représentant du sultan du Maroc, pour avoir facilité les relations de l'État français avec l'Afrique du Nord, le Liban, la Syrie et le monde musulman en général. Excellence, au nom du maréchal et au nom de la France, je vous félicite pour votre rôle éminent auprès des représentants de ces pays devenus amis. Merci beaucoup, monsieur le ministre. À votre santé et vive la France. Vive la France. Vive la France. Je vous en prie. Excusez-moi, monsieur le ministre, je voudrais m'entretenir avec vous en privé. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Monsieur le ministre, j'aimerais comprendre le sens de cette comédie. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Alors, d'un côté, vous me comblez d'éloges, et de l'autre, vous me privez de votre confiance. Mon cher ami, expliquez-vous. Les agents de la rue Lecomte ont envoyé une personne pour espionner la mosquée. C'est effectivement inadmissible et je trouve cette décision fort regrettable. Je vous assure que je n'y suis pour rien. Mais comptez sur moi, je ferai le nécessaire auprès du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que tu viens pas manger en drive? La serve, ça te demandait.
J'ai des documents à remettre à une personne dans le 11e arrondissement. Et tu sais bien que je peux pas sortir le jour. Vas-y, ce soir. Ce soir sera trop tard. C'est quoi ces documents? C'est des faux papiers pour une famille, des gens de chez nous qui sont en danger. Je vais pas prendre de risques pour des gens que je connais pas. Allez, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Younes, y a qu'à toi que je peux demander ce service. Fais-le pour moi. T'as compris? T'as bien compris? Si jamais j'entends parler de toi, je te préviens, je te ferai pas de cadeau. Allez, dégage. Attends. Il n'y a personne. La famille a été arrêtée ce matin. C'était pourquoi? J'avais quelque chose pour eux. Vous êtes de la famille? Non. Vous voulez pas venir un instant? S'il vous plaît. Les parents me les ont amenés ce matin avant que la police ne débarque. On peut pas les garder ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je peux rien faire. Moi, j'ai des papiers. Ils peuvent pas rester là. D'après le chef d'Ilo, les policiers vont revenir fouiller tous les appartements. S'ils restent ici, ils vont les trouver, c'est sûr. Je sais pas quoi vous dire, moi. Salam alaikum. Alaikum salam. Je connais d'où? C'est des orphelins. Orphelins? Dis-moi, ils sont où tes parents? Comment tu t'appelles? Dis-moi, comment tu t'appelles? Sarah Ben Soussan. Smahli, même que je suis trop long. Ils ont personne. هذا ماشي شغلي عافاك الا ما بعدهم على الجامع ما خصنا صداع نعرف بصح ماشي شغلي ثاني صح هذاك اللي قال لك جيبهم هنا سير ديهم لعندو الله يخليك عافاك الا ما اش ندير معاهم انا الله يخليك ما عنديهمش يلا خويا الله يخليك ما خصنا صداع يقعدوا لي زونفون سويفي المسيو الا كيقعدوا هنا اش ندير لي انتري ولكن هاد الدراري يهود سي زونفون سون نو زونفون سي قدر avec votre permission on devrait pas se mêler des affaires des amis je sais baraka واخا سيدي Quand je suis maintenant, non, j'en suis là, comme. Yalla, yalla, yalla. Venez, les enfants, venez. Je suis fier de toi, Younes. Je savais que je pouvais compter sur toi. Entre!
Je te présente Francis. Il est avec nous à l'usine. On faisait partie du syndicat. Il soutient notre lutte pour l'indépendance. Younes. Content de faire ta connaissance, Younes. Alors ? Tu peux parler, on a grandi ensemble, nos mères sont sœurs. D'accord, s'il te plaît. C'est dangereux. On en parlera à l'intérieur, si tu veux. Allez. Qu'est-ce qui se passe ? On a de la visite. Ils doivent rentrer à l'intérieur. Faut pas rester là, les enfants. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah ? Rien. Major, je ne sais pas ce qui nous vaut l'honneur de votre visite, si c'est au sujet, je parle, de votre décoration. Je n'ai malheureusement pas... Excellence. Oui. Je voudrais vous parler de quelque chose en tête à tête. Ah, bien sûr, oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est une note écrite par le directeur politique adjoint du ministère de la police de Vichy à l'intention du ministre. Les autorités d'occupation soupçonnent le personnel de la mosquée de Paris de délivrer frauduleusement à des individus de race juive des certificats attestant que les intéressés sont de confession musulmane. L'imam est sommé de façon combinatoire de rompre avec toute pratique de ce genre. Il semble en effet que nombre d'Israélites recourent à des manœuvres de toute espèce pour dissimuler leur identité. Le major, je n'en crois pas un mot. J'ai toute confiance dans notre imam. Il est le seul habilité à fournir ce genre d'attestation. Mais il y a des gens qui en veulent à notre communauté. Je ne laisserai pas salir la réputation de la mosquée. Alors, changez de imam. Enfin, major, mais c'est impossible. Dans ce cas-là, Excellence, la prochaine fois, mon état-major vous tiendra directement responsable. Cherche Salim, tu l'as pas vu ? Non. Ça va ? Ça va. Qu'est-ce que tu lis ? Ça a l'air intéressant. Tu sais lire ? Je me débrouille. J'ai appris le français quand je travaillais à l'usine. Nous sommes un peuple. Nous avons notre langue, cette langue arabe, si riche. Nous avons un passé glorieux. Nous avons tout pour faire un peuple. Et lorsque nous parlons de peuple algérien, nous ne faisons aucune distinction de race. Et lorsque nous réclamons le suffrage universel, nous y comprenons tous les éléments qui peuplent l'Algérie. Mess Ali Hadj. Et voilà. Ah, au fait, Younes, il me faudrait des œufs. J'en trouve pas, il m'en faudra au moins une douzaine. C'est fini, j'arrête le marché noir.
Salam. Alaykoum salam. Je voudrais te remercier pour ton livre. J'ai lu un peu, ça fait réfléchir. Tu veux un coup de main? Yalla. Débrouille bien. Toi aussi. C'est à force de vivre seul. T'es arrivé comment à Paris? Grâce à mon cousin Ali. Il est à Paris depuis 10 ans. Je suis arrivé juste un peu avant la guerre pour travailler avec lui à l'usine. J'y suis resté 2 ans et je suis tombé malade. Qu'est-ce que t'as eu? La tuberculose. Je suis resté pas mal de semaines à l'hôpital de Bobigny. Même d'où là, je m'en suis sorti. Travail, mais j'ai la santé. Attends. Et toi? Je suis là pour des raisons familiales. T'as de la famille à Paris? J'ai un frère qui est en Allemagne. Qu'est-ce qu'il fait en Allemagne? Il est dans un camp de prisonniers depuis le début de la guerre. Il va bientôt être libéré, Inch'Allah. On pourrait peut-être se voir ailleurs. Tu peux nous laisser un instant, Chokran. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre qu'il se prépare une grande rafle dans le 11e arrondissement. Je ne sais pas encore quelles sont leurs intentions, mais je te conseille de quitter la France. Va au Maroc. Là-bas, tu seras en sécurité et j'ai des amis qui t'hébergeront. Je ne veux pas quitter Paris pour l'instant. Je dois d'abord retrouver quelqu'un. Pas comme tu veux. Je préfère rester dans mon appartement tant que c'est possible. Ne vous en faites pas. J'ai toujours l'attestation sur moi. Non, non, ce papier ne te couvrira plus. Les Allemands sont au courant des faux papiers. Écoute, Salem. Si tu te fais arrêter, hein, tu dis que ton père est enterré au cimetière musulman de Bobigny. Mon père? Ben, c'est la preuve irréfutable de ton appartenance à la communauté musulmane.
Pas de nouvelles d'elle depuis ce matin. Tu sais pas où elle est allée? Elle est allée à un rendez-vous. À qui? Pose pas trop de questions. On ira se renseigner ce soir. Je suis parti du peuple algérien en collaboration avec le pouvoir fasciste. Il y a un an, jour pour jour, Messali Hedj a été condamné à 16 ans de travaux forcés pour avoir refusé de collaborer avec le régime de Vichy. Ne bouge pas, je reviens. S'il a refusé cette main tendue, c'est parce qu'il est contre toutes les formes de fascisme, quelles qu'elles soient. Comme lui, nous pensons que le combat pour notre liberté passe par la lutte armée contre le colonialisme et contre le fascisme. Vive la liberté! À bas le colonialisme et à bas le fascisme! Il a été arrêté par la police de Vichy. La police a été mise au courant. Ils les ont arrêtés sur la péniche. Mais au courant de quoi? C'est quoi cette histoire de péniche? Elle est partie avec un groupe. Aider des camarades évadés d'un camp en Allemagne. Pourquoi vous l'avez mêlé à ça? Elle savait ce qu'elle faisait, Younes. Son frère était parmi les évadés. Je croyais qu'il devait être libéré, son frère. Le groupe avait déclenché une mutinerie dans le camp. Ils allaient tous être fusillés. Jude! Hände hoch! Levez les bras! Mit den anderen! Schnell! Il n'est pas juif, c'est un mahométan. Vous êtes sûr? Oui. Lassen Sie ihn! Gehen Sie weg! Weg!
tiens à saluer l'une des plus belles voix que j'ai jamais entendues, Monsieur Selim Helali. Selim, je vais te demander de monter sur scène avec moi si tu veux bien. Merci. Shukran. Malani, police, suivez-nous. Dépêche-toi. Aujourd'hui, on a arrêté des milliers de familles juives dans Paris. Hommes, femmes, enfants. Il se prépare quelque chose de terrible, j'ai peur. Et qu'est-ce qu'on fait pour Salim? Tu sais où se trouvent les cimetières musulmans? Alors? Il dit qu'il est mahométan. Ce que vous avez comme preuve. Qui nous dit que vous n'êtes pas un juif indigène? Mon père est enterré au cimetière musulman de Bobigny. Allez vérifier. Alors elle est où cette tombe? T'as intérêt à la trouver. Ça va, Salim? Younes, est-ce que tu peux me trouver une arme? Pourquoi faire? Tu risques plus rien maintenant. C'est ce que je croyais avant mon arrestation. Je veux pas me laisser faire la prochaine fois. T'inquiète pas, Salim, il n'y aura pas de prochaine fois. Qui a gravé la trompe? C'est toi? Tiens, ta veste. Ah, reste pas là. Ici Louvre, français parle pour français. Au petit matin, 75 000 soldats anglais et américains ont débarqué.
partis au Maroc et en Algérie sous le commandement du général américain Eisenhower. La réussite de l'opération Torche a été facilitée par l'action de petits groupes de résistants français qui ont rallié les anglo-saxons dans la guerre contre Hitler. Dans son discours, le général de Gaulle a tenu à féliciter ces Français libres pour leur courage et leur détermination. Et maintenant, quelques messages personnels. Le four a mangé des langoustes. Je répète... Excellence. Bienvenue, Major. Alors, je peux voir cette décoration. Asseyez-vous. Vous saviez qu'elle avait été acceptée? Oui. Mais voilà, il faudra vous rendre au Maroc pour la recevoir officiellement. Mais le sultan tient à ce que les choses soient faites dans la tradition. Allez au Maroc. Vous plaisantez. Les Américains occupent le pays. Mais je suis désolé, Major, mais nul ne peut recevoir cette distinction royale sans se plier au protocole. Vous savez très bien que le Wissam Alaouite, c'est la distinction la plus prestigieuse et qu'elle est remise par Sa Majesté en personne. Vous êtes très habile. Mais moi aussi, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Jusqu'ici, notre état-major vous a ménagé pour ne pas ternir son image auprès des musulmans. Mais cette fois-ci, c'est différent. Le contre-espionnage et la Gestapo ont ouvert une enquête vous concernant. Vous êtes en danger. Je tenais à ce que vous soyez prévenu. En danger, mais pour quelle raison? Je l'ignore pour l'instant. Mais vous devez certainement le savoir. Je voulais aussi vous dire que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Je dois quitter Paris. Salam alaikum, Ali. Salam. T'as pas eu de problème? Non. Francis est passé, il voulait te voir. Qu'est-ce qu'il voulait? Leïla. Ça se complique pour elle. Ils ont réussi à faire parler son frère. Elle risque d'être fusillée. Comment ça, fusillée? Pour que tu saches la vérité, Younes. Leïla, c'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Warda Slimane. C'est un membre important du Parti communiste à Alger. Elle a fui l'Algérie il y a quelques mois, après une vague d'arrestations. Et la police française l'a recherchée. Elle est transférée à Fresnes demain. Hey.
Abfahrt! Du matériel allemand. Y a pas mieux. Surtout, te fais pas attraper avec ça. Tu sais ce que tu risques. C'est pas des cigarettes. T'inquiète pas, Omar, on se connaît pas. C'est pour qui? Les amis. Peut-être que grâce à cette guerre, on aura enfin notre indépendance. Pas mal de gars commencent à y croire. J'espère que ce coup-ci, on se fera pas avoir. Inch'Allah. يقول العشق كل من يبذل الروح يعوض عنها بمئة روح وألف روح كي سي يونس je suis occupé. Mazar Ragad, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu viennes chanter à l'Étoile d'Or pour l'anniversaire de Marivonne. Je t'ai dit que je ne voulais plus chanter, oublie. Hey, Nod. Nod. Albus. Arwa. Laisse-moi, Younis. Salim, je leur ai déjà dit que tu allais venir, mais t'as chelmé. Il y aura à boire au moins chez ta bretonne. Il est juif, lui, non? Pourquoi? Non, je sais pas, c'est pas ce que j'ai entendu dire. Du chocolat, ça faisait longtemps. De rien, ça fait plaisir. Tiens, pour ton ami Salim. Salim, tu cherches? Je vais monter. Salim!
Salut. Je suis venu faire une petite sieste. Quoi? Pardon, bientôt. Merci, mais j'aime pas le chocolat. J'ai jamais aimé ça. Arrête de me regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Où tu vas? Francis et son groupe se sont fait surprendre dans leur planque. Les Allemands ont intercepté tous les messages radio. Il est blessé. Il s'est réfugié à l'hôpital de Bobigny. On doit faire vite. La Gestapo est à ses trousses. On va la rapatrier à la mosquée cette nuit. Toi, tu préviens Belgabrit. Ah, je viens avec vous. Ce coup-ci, c'est trop dangereux. Je te dis que je viens. Marcher. T'inquiète pas, ça va aller. Il n'y a rien de grave, hein. Aucun organe vital n'a été touché, mais il a perdu beaucoup de sens. Où est-il? Pardon? Nous savons qu'un terroriste blessé est venu ici pour se faire soigner. Oui, effectivement, ce matin, on a soigné un homme blessé, mais il est reparti sans laisser d'adresse. D'ailleurs, j'ai prévenu tout de suite les services concernés. Je vous déconseille de rentrer là, c'est le pavillon des tuberculeux. Allez-y, mais c'est plus de ma responsabilité. D'où elle vient sa marchandise maintenant? Quelle marchandise?
une voiture derrière. On est suivi, qu'est-ce qu'on fait, Ali? Fonce. Pas vivant! Rendez-vous! Dégage! Sortez, les bras en l'air! Allons. Vous auriez dû me prévenir. Vous n'aviez pas mon accord. L'hôpital est truffé des agents de la rue Lecomte. Tout le monde le sait. Vous mettez la mosquée en danger. Mais qu'est-ce qui vous a pris, hein? Alors maintenant, la mosquée est sous surveillance 24 heures sur 24. Et le médecin-chef de l'hôpital, il a été fusillé par les Allemands. Bon. Maintenant, je veux organiser l'évacuation du sous-sol. Alors pour ça, j'ai besoin de votre aide. Tu en profiteras pour rentrer au pays. Rentrer au pays? Oui, parce que ton ami Omar, tu sais ce qu'il a fait? Il a informé la Gestapo de ta présence à l'hôpital le jour de la fusillade. Et maintenant, il te recherche. Allez, on dépêche. Allez, on y va, bloquez-moi toutes les issues. Gabarit m'a dit que tu partais. Je ne sais pas si on se reverra. Je
voulais dire pour l'autre soir. Les Fatmat. Ta sœur a disparu. Elle est où, ta sœur? Nous célébrons l'Aïd aujourd'hui. C'est un jour sacré pour les musulmans. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect. Bon. C'est inadmissible ce que vous faites là, vous savez. Vous allez en répondre à vos supérieurs, vous allez voir. Le lieutenant-colonel Helmut Nochen, le chef de l'ASS à Paris, veut vous voir. Suivez-nous. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى قفوا من فضلكم وأطلب منكم أن تتوجهوا جميعا نحو بوابة الخروج. Venez, venez. Pas.
c'est ça. Vas-y, là, tu vas où? Je vous rejoins. Ah, je suis content de te savoir vivant. Comment vas-tu? Bien. Et vous? Bien. Vous avez des nouvelles de Salim? Salim, oui, oh, il va bien. Oui. Il a repris la chanson, non? Il a préféré repartir habiter dans le 11e arrondissement. Tu sais qu'il aime beaucoup. Il m'a demandé souvent de tes nouvelles. Tu devrais aller le voir. Je crois que ça lui fera plaisir. Tu veux pas te joindre à nous, là? Nous avons quelques amis. Non, ça va. Je comprends. Allez. Chers frères, marchons sur le chemin de la gloire avec assurance. Nous voulons lutter pour notre liberté. Mais il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Mes frères, agissons. Nous sommes prêts à donner notre sang pour libérer notre pays. Alors battons-nous aux côtés de la résistance française. Si nous donnons le même sang, le jour de la victoire, nous aurons les mêmes droits. Vive la liberté des peuples! Vive la fraternité! Abat le colonialisme! Abat le fascisme! Vive la liberté! 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 Vive la liberté!
الحكمة مقضية حكم الإله محتوم نصبر على ما بيا والحسن ليه يزيدو ياكل الفرج على حال